Maghreb Orient Express, bienvenue à toutes et à tous pour le meilleur de 2015. Face aux images de violence qui saturent notre mémoire, nous vous proposons aujourd'hui nos coups de cœur culturels. Quatre invités avec nous sur le plateau de MO, sur TV5 Monde, Brahim Etiba, écrivain, auteur de Ma mère et moi, puis plus récemment de Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, c'est aux éditions Mot Conduit. Bayamed Afar, bienvenue également, vous êtes comédienne, interprète principale dans À peine j'ouvre les yeux de Leïla Bouzid, qui est avec nous récemment dans Maghreb Orient Express. Le film sort en France ce mercredi. Joe Kesrouani, photographe, merci d'être avec nous. Vous participez à la Biennale des photographes du monde arabe contemporain. C'est jusqu'au 17 janvier. C'est à la fois à l'Institut du monde arabe et à la Maison européenne de la photographie. Et puis on part également à Alger où nous attend Wassila Tamzali. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, féministe algérienne. Vous êtes à l'initiative de l'événement Les Ateliers Sauvages Concepteurs. Alors depuis plusieurs semaines maintenant, Wassila Tamzali, des artistes travail sur le chantier des ateliers sauvages. En quoi consiste cette performance, disons-le, inédite, hein, qui se déroule d'ailleurs ce week-end, hein. Oui, c'est à l'origine, c'est un chantier qui est en train de travailler à l'organisation d'ateliers de travail en plein centre-ville. Je viens d'acheter un grand espace que je vais mettre à la disposition d'un certain nombre d'artistes pour exécuter des œuvres de grande taille, disons, puisque chez eux, ils n'ont pas les lieux pour travailler. Et en plein milieu de chantier, quand j'ai vu ces images de gravats, etc., et que ça m'a renvoyé à des images de guerre très présentes aujourd'hui à la télévision, partout, enfin dans notre monde, j'ai eu envie de demander à ces artistes, les mêmes d'ailleurs qui vont occuper l'espace, est-ce que vous pourriez vous approprier le lieu pour montrer que la culture est plus forte que la destruction. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé pendant 3 semaines avec, au point de départ, l'idée que tout serait détruit le lendemain. Enfin, détruit. L'art n'est jamais détruit, sinon il se régénère, mais détruire les traces matérielles de leurs œuvres qui ont été faites à partir des gravats, sur les murs, etc., qui vont aujourd'hui être, demain, qui vont être rendues aux travaux. Alors vous dites, Wassila Tamzali, qu'il s'agit d'un manifeste de la culture. Expliquez-nous. Oui, parce que ce sont cinq artistes algériens qui sont, disons, plutôt jeunes, mais que je ne voudrais pas appeler jeunes artistes parce qu'ils ont une grande maturité et ils sont en plein leur maturité de travail, qui ont une conception de l'art, c'est-à-dire l'art doit être engagé dans les grands problèmes de société. Et d'ailleurs, toutes les œuvres qu'ils nous ont montrées sont des œuvres qui ont su mener dans une forme esthétique accomplie et moderne, disons, des problèmes de notre société qui touchent à la question, par exemple, du sacrifice, la question du mariage, la question des fresques sociales, et aussi des œuvres qui nous conduisent vers des questions beaucoup plus, disons, spirituelles, comme la question de la mort, la question de la vie et la question de la résistance. Donc ce sont des œuvres extrêmement graves qui essayent, qui ont en 3 semaines, à mes yeux en tout cas, et je suis assez sévère sur le jugement, qui ont pu, en 5 tableaux, nous faire une fresque qui nous conduit à un chemin en Algérie aujourd'hui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, qui montre le poids et la capacité de l'art de mener de l'archaïsme, de mener de la révolte pure, hein, une révolte forte mais pure, et qui, si elle reste dans ce stade de révolte, ne conduit à rien, grâce à une œuvre qui est menée par un artiste sur la mise en image du texte de Antar, qui est le langage des oiseaux, qui nous conduit jusqu'au langage, et c'est-à-dire jusqu'à la capacité de dire. Alors Wassila Tamzali, puisque vous parliez de révolte, je vais en profiter. On va profiter aujourd'hui sur TV5 Monde de votre présence pour vous interroger sur un pays voisin de la Tunisie, et ça concerne bien entendu l'Algérie. Il y a tout juste 5 ans débutait la révolution, hein, qui allait chasser du pouvoir Ben Ali. Comment vous, l'intellectuel, voyez les choses aujourd'hui en
sachant qu'une grande partie de la jeunesse tunisienne est désenchantée. On a vu récemment des atteintes aux libertés fondamentales, des arrestations sous couvert notamment de la loi 52. Il y a d'ailleurs toute une solidarité en Algérie, loi 52, qui envoie des jeunes en prison parce qu'ils ont été arrêtés en possession de cannabis. La Tunisie, Wassila Tamzali, est louée depuis des mois, voire des années, en modèle, en laboratoire démocratique pour la Méditerranée, pour le monde arabe. Pourquoi est-ce que même là, ça bloque? Pourquoi ces résistances? Alors d'abord, il faut dire que la Tunisie, pour moi, c'est toujours un laboratoire. C'est pas très gentil de dire un laboratoire, mais disons que la Tunisie est dans une étape qui intéresse tout le monde, et une étape que je dirais extrêmement positive. Qu'aujourd'hui les jeunes soient désenchantés, c'est qu'ils vont plus vite, ils ont été plus vite, ils ont pris de court, les jeunes ont pris de court. L'establishment tunisien, et je pense, je mets dans cet establishment même mes amis qui étaient engagés dans la résistance contre Ben Ali, sans peut-être ce sentiment exacerbé de la liberté qui occupe la jeunesse aujourd'hui. Et je trouve extrêmement salutaire que ces jeunes soient sur les talons des moins jeunes et leur rappellent l'origine de la révolution tunisienne. L'origine de la révolution tunisienne, c'est ce grand désir de liberté chez les jeunes, un désir de liberté que l'on retrouve en Algérie. Vous savez, quel que soit le cadre politique aujourd'hui, la jeunesse algérienne, comme la jeunesse tunisienne, comme la jeunesse maghrébine, et je m'arrête au Maghreb parce qu'il y a des éléments de comparaison, porte exactement le même désir de liberté. D'ailleurs, nos artistes hier, plus les gens qui ont travaillé sur le chantier, l'électricien, l'architecte, moi-même, nous avons fait une photo en hommage à la loi 52, enfin en hommage à la lutte contre la loi 52. Merci. Et vous l'avez dans le dossier qu'on a essayé de vous transmettre avec beaucoup de difficultés venant d'Alger. Et je vous remercie de nous ouvrir comme ça une fenêtre sur le monde pour vous faire part de notre expérience, de notre utopie. Hein, notre utopie, c'est l'utopie merci de vivre ensemble. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. On terminera sur ce joli mot d'utopie. Merci beaucoup, Wassila Tamzali, d'avoir été avec nous en direct d'Alger. Les jeunes vont beaucoup plus vite, Baya Ahmed Afar. Voilà ce que nous disait à l'instant Wassila Tamzali. Vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'on n'a pas les mêmes repères spatio-temporels avec les générations qui nous ont précédés. Et on le voit d'ailleurs dans ce film, vous rentrez de Dubaï, hein, où À peine j'ouvre les yeux a été récompensé une nouvelle fois. Vous jouez le rôle de Farah qui a 18 ans, ça se passe quelques mois avant le départ de Ben Ali et des événements qu'on mentionnait. Farah qui a 18 ans, votre génération, elle passe son bac et sa famille la voit déjà médecin. Elle ne l'entend pas assis, elle chante dans un groupe de rock. On va regarder sans plus attendre à la bande-annonce. بالانرجي هذه بالسخط هذا كله واحد بالرسم باكي لعبين باكي لعبين ما اسموني بلادي الشاب سيبارينا منه معناها سامحني تحبنا نعملوا التسانسور معناها زكتنا تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموسيقى مانا الفتى شي ما يتعكس صاحي وين كنت البارح الجروب هذا وفيت ماما عندنا كونسير اللي انسى فهد لازمك ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها كلكم خايفين في الفراغ راه مش خايفين في الفراغ لا فما بوليسيه تبع هيني بنت عارف راه مش كان انا نحمي فيك راه كملنا ولا بين تاكل في الضرب البارح من جرايدو عاجبك غنيت انت سي بون À peine j'ouvre les yeux, sorti mercredi en France, Farah qui vibre, qui s'enivre, qui découvre la ville de nuit, Tunis. Vous épousez parfaitement ce rôle. On a tout simplement envie de vous demander, Baya Ahmed Afar, comment est-ce que vous avez trouvé cette énergie, cette inspiration pour épouser parfaitement ce rôle ?
Alors, l'énergie, je pense qu'elle est en moi. Et je pense que c'est pour ça que, qu'elle m'a choisie. Après, moi, je l'utilise d'une autre manière, dans d'autres choses. L'inspiration, elle vient du fait que, après avoir lu le scénario, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire partie de cette histoire parce que je pense que c'est important de parler de ça, d'être dans quelque chose qui n'a pas été fait avant dans le cinéma tunisien, à savoir essayer de retransmettre cette énergie qu'a la jeunesse et dont parlait Wassila tout à l'heure. Sous le poids de la dictature, hein, parce exact, que c'est aussi oui, maintenant aussi, mais en général. Et donc voilà, ce qui s'est fait avec Leïla, la réalisatrice, c'est qu'on a beaucoup, travaillé les scènes. J'ai essayé de prendre pour chaque situation une situation similaire que j'aurais vécue, et d'essayer justement d'utiliser cette énergie-là pour le film. Une jeunesse oubliée mais vivante qui crie toute son envie de vivre, sa créativité aussi. C'est aussi un film, et même avant tout peut-être, sur la condition des jeunes, filles ou garçons, de se libérer du carcan de la société, de la famille aussi, de la pression policière. Exactement, vous avez résumé le film. En ce sens, il est universel. Je pense que c'est un film assez universel, de un, par la volonté qu'a eu Leïla de ne pas l'inscrire d'une manière très importante dans le contexte historique, même si le contexte existe. Et d'autre part, parce que ça parle d'un processus de destruction de cette énergie-là. Et ça, je pense que ça existe partout, que ce soit au niveau de la société, au niveau de la famille ou au niveau de l'État. Donc c'est ce qui fait que c'est un film assez universel. Et l'actualité, on le disait tout à l'heure, a rattrapé le propos du film. On est bien entendu avant la chute de Ben Ali, mais aujourd'hui, des jeunes inquiétés, il y en a. Des jeunes qui attendent toujours de récolter les fruits de la révolution, il y en a. Quel est votre regard à ce sujet? De nombreux jeunes font part de leurs inquiétudes sur ce qui se passe en ce moment dans votre pays. Bah oui, mon regard, moi je vis ici maintenant et ça me tue d'être là alors qu'ils sont en train de se battre. Moi j'ai des amis cinéastes, peintres, photographes qui sont en prison pour avoir fumé un joint. C'est des gens dont les œuvres ont voyagé partout dans le monde, qui ont une reconnaissance incroyablement étendue. Et du coup, c'est assez drôle quand même de voir que un pays qui aspire à la liberté, etc., met ces jeunes en prison pour cette fameuse loi 52 qui condamne les fumeurs de cannabis à un an de prison. Il y a 8000 jeunes maintenant qui sont en prison pour cette... pour ce motif-là. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour... le motif, c'est l'homosexualité. C'est assez impressionnant. Il y a aussi une jeune de 17 ans qui a vécu des choses très dures. Exactement. Il y a une jeune... qui pourrait s'identifier à Farah. Exactement. On s'est dit ça en voyant l'actualité. C'est une fille qui est partie manifester contre la destruction d'un café dans son village au Kef et qui a été arrêtée. Elle a 17 ans, donc elle est mineure. J'ai aperçu qu'apparemment, lui ont fait certaines choses, ils l'ont obligé à se déshabiller, etc. Voilà. C'est aussi très, très, très important pour nous d'avoir fait ce film et de le montrer aux gens. C'est aussi un message à toutes les personnes qui réclament le retour de Ben Ali sous prétexte qu'avant, c'était mieux, qu'on avait la sécurité, sachant qu'il y a maintenant une dictature qui est en train de s'installer au nom de la lutte contre le terrorisme, ce qui s'est fait exactement sous Ben Ali. On est assez amnésique, je pense. C'est un bras de fer. Une piqûre de rappel et un bras de fer. Et je suis optimiste, mais on va rien lâcher. On va rien lâcher. Ne rien lâcher. On va maintenant parler aussi littérature, cinéma, mais littérature. Et puis après la photo, le Brahim Metiba, vous revenez après Ma mère et moi avec Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. C'est le père du narrateur algérien venu lui rendre visite en France qui laisse un mot avant de repartir au pays sur la table de son appartement. Un ticket de métro avec inscrit Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Le fils va alors prendre ce ticket de métro et parcourir Paris, l'approche banlieue puis Paris. Il va prendre le bus. Durant ce trajet, il va se questionner, il va mener seul un impossible dialogue avec son père. C'est une quête de quoi, au juste, ce périple dans Paris, Brahim Metiba? C'est une quête de sens et de communicabilité entre des entités qui ne communiquent pas,
entre elles. Et ces entités-là sont tantôt des entités familiales ou liées par le lien familial, le père et le fils, mais c'est aussi Paris et sa banlieue, et ouais. C'est aussi l'Algérie et la France. Mmh. Et j'essaie autant dans Ma mère et moi que dans Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, de trouver des moyens de créer du lien. Mmh. Alors c'est tantôt la musique, tantôt la littérature. Voilà. Alors on voit des jeunes qui essaient justement, dit tout à l'heure dans le film À peine je vous réalise, de sortir à travers un groupe de rock du carcan familial. Vous, à travers l'écriture justement, vous vous rattachez à cela, à la famille, aux racines, à ce dialogue au fond impossible. C'est l'écriture qui vous permet justement de tenter de trouver les mots qu'on ne peut peut-être parfois pas dire dans la vie. Oui, tout à fait. L'écriture sur le plan du récit déjà permet de créer un lien qui n'est pas toujours visible dans la réalité. Et sur le plan de la transmission aussi, une écriture, c'est un livre qui voyage et qui ouais. traverse et qui est lu. Et j'espère que ce sera lu par le plus grand nombre et notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Alors à la question comment réduire le fossé entre votre mère et vous, votre père et vous, l'Algérie et la France, mais aussi entre Paris et sa banlieue, vous avez donc choisi l'écriture. J'aimerais lire un extrait. C'est page 35, vous écrivez « La peau blonde et les yeux clairs sont l'idéal esthétique des Algériens, hommes comme femmes. Les Algériens n'aiment ni leur langue ni leur physique. Comment peut-on construire un pays quand on n'aime ni sa langue ni son ?» Soit à quel moment l'Algérien a-t-il basculé d'un être fier d'avoir libéré le pays à un être complexé et ne sachant pas quoi faire de ce même pays? C'est très incisif. Oui, j'essaie de questionner la crise que traverse l'Algérie, une crise culturelle qui se traduit notamment par un problème vis-à-vis de la langue. Je trouve ça problématique. Que l'arabe n'ait pas réussi à s'implanter en Algérie et que le français continue d'exister, mais peut-être pas de façon suffisamment présente. Bref, je trouve ça problématique sur le plan de la langue d'être entre deux et de ne pas... De ne pas avoir quelque chose qui réunisse tous les parlants d'une même langue. La photo avec vous, Joe Kesrouani, vous aussi, vous interrogez à travers vos travaux la ville, ce qu'elle devient, et au fond peut-être derrière une société. Vos travaux s'appellent Beirut Walls. Hein, donc vous, si on dit que vous essayez de briser quelque part les tabous et les clichés sur la ville arabe, et particulièrement Beyrouth, est-ce qu'on se trompe? Je suis en train de faire ce travail depuis 90 et sur ma ville. Et c'est une ville qui suffoque lentement. Donc, à travers le béton ? À travers le béton, à travers l'anarchie de la construction. Et ouais. On voit vos photos défiler avec la mer que l'on n'aperçoit presque plus. Hein. Oui, mais là oui. Ça, c'est encore des lieux privilégiés par rapport à d'autres, comme la banlieue sud, la banlieue est de Beyrouth. Ce travail, permet de regarder où on va parce que c'est pas évident. Mais c'est le signe de quoi, selon vous, cette frénésie justement du bâtiment, c'est de vouloir entrer dans la modernité, effacer les traces peut-être aussi des destructions. On parlait tout à l'heure justement de ces œuvres d'art contemporain à Alger. On est en train de construire sur l'ancien, quoi. À Beyrouth, on respecte ni l'histoire ni rien, quoi. On construit, on verticalise la ville, mais c'est une ville qui respire plus. Et la mer, c'est pour des gens privilégiés qui habitent dans les tours. Sinon, moi, j'habite vraiment... Vous voyez, dans cette photo, il y a cette tour. J'habite au pied de la tour. Et j'avais toute une façade plein sud qui était gorgée de soleil. Là, j'ai un mur à 1,5 mètre. Un mur et donc plus de soleil. La tristesse, on voit à travers votre travail tous ces contrastes, justement. Comment est-ce que vous travaillez, techniquement peut-être, et pour donner quel sens? Techniquement, déjà, je suis assez radical dans mes photos. J'aime bien montrer les choses autant que je peux. Donc, je travaille à la chambre digitale. Donc, il y a beaucoup de détails parce que je fais des grands tirages. Et pour Beyrouth, pour que ça soit un peu net, il faut travailler l'hiver, quoi. Je travaille après une pluie, après un vent assez fort pour avoir cette vision nette. Sinon, il y a une brume jaunâtre
dues à la pollution. Vous dites pollution, on parle de frénésie du béton. Il y a eu récemment à Paris cette grande conférence mondiale sur le climat. Très souvent dans cette émission, lorsque l'on parle du Liban, on peut vite basculer vers la géopolitique, mais ce qui revient le plus souvent chez les jeunes artistes, chez les créateurs comme vous, c'est vraiment cette question de l'environnement. Pourquoi ? C'est vraiment cette frustration de ne pas profiter pleinement de... C'est tellement délaissé, quoi. Ça nous révolte, mais c'est tellement délaissé. Ouais. Que ce soit là, on a un problème de poubelle qui ne se résout pas, on a la pollution avec l'électricité, donc les générateurs qui polluent. C'est des problèmes qui s'entassent. Et c'est une ville, à mon avis, j'espère que j'ai tort, qui ne va pas pouvoir durer comme ça longtemps, de fonctionner dans le dysfonctionnement. Quoi. Ouais. Bayam Edafar, est-ce que vous connaissez Beyrouth ? Vous y êtes déjà allé ? Pas encore ? Non, mais j'ai vraiment beaucoup d'amis libanais. J'ai beaucoup entendu parler de Beyrouth. Donc j'aime beaucoup cette ville sans la connaître. Et je trouve... Je les trouve vraiment impressionnantes, ces photos. Ouais. Donc pour vous, c'est quoi ? On la présente souvent comme le champ des possibles, malgré les contradictions, malgré les difficultés. Ça grouille quand même à Beyrouth, ça grouille. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est vrai que la ville elle inspire beaucoup. Ouais. Beaucoup d'amis artistes qui travaillent justement sur la ville de Beyrouth, qui est apparemment impressionnante. Mmh. Donc c'est le cas, je le remarque. Et je vais bientôt y aller. Ouais, mais ça grouille, Beyrouth. Quelle image en avez-vous ? Très très riche, oui, j'ai l'image d'une ville riche et puis je suis nourri comme tout le monde des images de la guerre aussi, des ruines. C'est quand je pense à Beyrouth, je pense à un paradoxe entre ruines et effervescence culturelle. Ouais. Et à Alger, vous regrettez peut-être qu'il n'y ait pas, même si on l'a vu tout à l'heure, une grosse effervescence, mais est-ce que vous aimeriez peut-être une ville, quitte à payer parfois le prix des contradictions, est-ce qu'il y ait beaucoup plus de mouvement, on va dire, sur le plan culturel. Précisons que tout à l'heure, ces artistes, ils avaient choisi ce lieu plutôt insolite, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément la place de tout dire et de tout faire dans des lieux plus institutionnels. Hein. Oui, en tant qu'artiste, de toute façon, j'estime qu'il n'y a jamais assez d'art et il n'y a jamais assez de créativité. Et je trouve que dans tous les pays arabes, puisqu'il s'agit aussi de ça aujourd'hui, l'islam est encore beaucoup trop présent. Et, ouais. Et c'est ça aussi, c'est la résistance dont vous parliez tout à l'heure. La résistance, elle vient de là. Je pense qu'il faudrait à un moment remettre l'islam à sa place et laisser le champ libre à la créativité et à la vie, tout simplement. Joe Kesroigny, on va faire l'inverse cette fois. Je vais vous demander, vous, comment voyez-vous ce qui se passe en Tunisie, un des pays de la Méditerranée qui a connu des événements à la fois pleins d'espoir, mais on voit aujourd'hui encore certaines formes de résistance pour concrétiser vraiment cette transition démocratique. Quel regard portez-vous sur ce pays, la Tunisie ? J'encourage toute forme de résistance à la censure, à l'oppression. Ouais. Je le fais depuis longtemps, dans mes photos, d'une façon ou d'une autre. Mais sur cette fameuse loi 52, par exemple, sur le cannabis ou autre, ce sont parfois des artistes inquiétés, des militants. C'est des lois qui cachent, qui camouflent autre chose. Quoi. C'est des prétextes. C'est des prétextes. En même temps, beaucoup, d'ailleurs, comme en France, comme en Tunisie, sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité. Je sais que ça peut. On ne mérite ni l'une ni l'autre, comme a dit, je ne sais plus qui. Ancien président des États-Unis, père fondateur des États-Unis. Mais cette question, elle se pose, par exemple, chez vous, au Liban, jusqu'où on empiète sur les libertés pour apporter la sécurité. Quel est votre point de vue sur cela ? Au Liban, oui, il y a toujours une censure quelque part, si on franchit les limites, bien sûr. Donc, il faut savoir slalomer entre les... Slalomer, ça, vous, la jeunesse tunisienne, on a le sentiment que vous ne savez pas. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine radicalité aussi à vouloir pousser jusqu'au bout cette transition? C'est ça qu'il faut que vous gardiez, selon vous, radicalité dans le bon sens du terme? Oui, cette radicalité ne va pas mener... Enfin, je ne pense pas que tout ce dont on aspire va être... exaucé. Je pense qu'on aura une partie. C'est pour ça qu'il faut être radical. Mais bon, c'est... Je ne sais pas. Prochain projet, quel est-il pour vous ? Alors, je ne sais pas du tout pour le moment. Moi, je fais des études en vue de réaliser des films. J'ai aussi le désir de continuer à jouer,
Mais ça va dépendre de ce qu'on va me proposer, parce que c'est vrai que le deuxième film est toujours très important. Confirmer. Donc j'attends vos propositions et allez voir le film. Et voilà, il faut aller voir le film, il sort mercredi en France. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Maghreb Orient Express pour ce dernier numéro de l'année, on l'a dit. On se retrouve le 10 janvier prochain. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et retrouvez les coulisses de l'émission et plus de contenu sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. À très vite.